Esta semana, no Partituras, teremos o espetáculo Encontros Musicais em Noai, da série Barroca em Rio, produzido pelo Música Brasilis, que focaliza no encontro entre música barroca e arquitetura, através da apresentação de obras de grandes compositores em edificações excepcionais. No Hotel Noai, na França, já se hospedaram simultaneamente os geniais Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Christian Bach. O Partituras está no ar. Nous sommes chez la Duchesse, exactement dans sa chambre. Alors évidemment au sens 17e du terme, puisque la maison a été édifiée en 1679 pour Anne-Jules de Noailles et sa femme Marie-Françoise de Bournonville. Cette chambre de réception a vu sa vocation musicale s'affirmer au fil du XVIIIe, comme en témoignent les boiseries qui ornent le lieu, qui font partie des embellissements apportés par Adrien Maurice au tout début du XVIIIe siècle et qui affirment le goût des Noailles pour la musique qu'ils pratiquent eux-mêmes et dont ils sont par ailleurs des mécènes importants. Adrien Maurice a été chanteur et compositeur. Quant à Louis, son fils reprend la maison à partir de la moitié du XVIIIe siècle. Outre son goût considérable pour la botanique, il développe lui aussi une carrière, si j'ose dire, de mécène musical, tout en étant chanteur dans les concerts organisés par aussi bien Madame de Pompadour que Marie-Antoinette. C'est dans ce cadre que, en 1778, sont reçus ici en même temps Jean-Chrétien Bach, le chanteur vedette Giusto Fernando Tenducci, et le jeune Mozart, qui à ce moment-là a 22 ans, qui termine son séjour parisien et qui est reçu ici pendant 15 jours en même temps que les deux autres musiciens. C'est évidemment une rencontre et une période extrêmement faste pour lui ainsi que pour la maison, et évidemment, puisque ces trois musiciens s'échangent des partitions, travaillent sur des airs communs. Jean-Chrétien Bach est là pour choisir les chanteurs pour son opéra Amadis de Gaulle qu'on vient de lui commander et qui sera représenté l'année suivante à Versailles. Il est également là pour préparer la saison des concerts Bach-Abel de Londres où Tenducci brille évidemment. Et donc, l'enregistrement qui est fait ici aujourd'hui présente justement des œuvres d'Abel, donc les concerts Bach-Abel, ainsi que, évidemment, des œuvres de Mozart, tout en évoquant vraiment cette année 1778 qui, évidemment, représente pour la musique une époque de transition. Eh bien, évidemment, je vous souhaite à tous absolument la bienvenue et je vous invite à profiter de ce merveilleux concert.